Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 38 ans, je suis originaire de Rouen où j'ai fait des études en sciences de l'environnement. Après j'ai travaillé en bureau d'études en hydraulique pendant 10 ans et c'était un métier très intéressant. Mais j'ai dû suivre ma compagne donc à Grenoble et j'ai continué en tant qu'ingénieur en hydraulique pendant un an à Échirolles et j'ai souhaité faire un bilan de compétences pour voir si je pouvais essayer de donner un autre sens à ma vie. Et en tant que professionnel, le métier de l'enseignement me passionnait déjà depuis longtemps. Et j'ai eu l'occasion de faire un bilan de compétences et d'être suppléant, donc en école privée, pendant un an et demi. Et j'ai passé mon concours en avril dernier. Et donc je l'ai eu et je suis affecté à Saint-Martin-d'Hères depuis la rentrée 2022. C'est vraiment ce que je projetais. Parce que ma mère est institutrice, était institutrice pendant 40 ans et donc j'ai un peu baigné dans ce milieu-là. Mais je voulais quand même faire des remplacements avant pour vraiment être sûr. Et donc c'est vraiment intéressant d'être remplaçant et de voir plusieurs niveaux. Et donc ça m'a conforté dans mon idée. Et donc là je suis très satisfait à Saint-Martin-d'Hères avec des CE1. Donc dans mon métier, ce qui me plaît, c'est la polyvalence et le contact avec les élèves. Parce qu'à un moment, j'ai pensé être prof en SVT, mais c'est vraiment restreint à la SVT, et on ne voit pas beaucoup les élèves, tandis qu'en primaire, c'est vraiment intéressant de tisser des liens avec les élèves, de les suivre toute l'année, et avec les parents et l'équipe éducative dans son ensemble. Donc c'est vraiment, on ne s'ennuie pas, passionnant et on ne s'ennuie pas. Pour les conseils donc, aux futurs professeurs qui hésitent encore, donc je leur dirais de ne pas hésiter, d'au moins réviser toutes les matières et donc essayer de passer le concours, on peut le passer autant de fois que l'on veut, et d'être, s'ils peuvent, en observation dans les écoles ou même être contractuel, faire des remplacements pour vraiment se faire une idée. C'est l'idéal, sinon y a se lancer et puis voir au fur et à mesure des mois et des années si ça leur plaît. Je pense que s'ils sont bien renseignés, bien se renseigner avant sur Internet et rencontrer des professeurs et pour être sûr, et a priori, il n'y a pas de souci.